Au Cameroun, les amis, ceux qui sont au pouvoir, dans le gouvernement, pratiquent ce qu'on appelle la gouvernance par l'intimidation. Alors qu'on devrait gouverner par la pédagogie, on gouverne par l'intimidation. Et quand on parle des élections, les choses qui touchent leur pouvoir, les amis, pour eux, c'est no go zone. Les gens disent qu'il faut les élections dans un pays pour trouver les nouveaux dirigeants. C'est ce qu'ils disent. Et tout le monde est d'accord. Parce que l'État, dont le peuple a décidé que c'est comme ça. Même comme souvent, ces choses-là ne sont pas respectées par certains. Mais certains qui ont un certain pouvoir pensent que l'abus de pouvoir, c'est un mode de fonctionnement qui plaît, qui peut, qui peut faire en sorte qu'ils pérennisent leur pouvoir. Non. L'OTAN, je répète encore depuis un bon bout, c'est le grand maître. Rien n'est éternel. Vous savez, les jeunes de moins de 20 ans, 25 quand même, n'ont jamais connu Paul Biya. Je veux dire, cet homme qui faisait peur et autres, non, ils n'ont jamais connu. Et la réalité actuelle n'est pas la réalité d'hier. Les gens sont en train de souffrir. Et les gens souffrent en tout en sachant que le pays est immensément riche. Mais géré par certaines personnes, qui ont la même mise sur la fortune publique et qui font ce qu'ils veulent avec la fortune publique. La preuve, ils sont des dizaines et ou des vingtaines même en prison aujourd'hui. C'est la preuve que le pays est tellement mal géré et la preuve par quatre qu'il y a des gens qui confondent leur poche personnelle avec la poche de l'État. Donc, l'agent de l'État, les gens confondent ça à leur argent Les gens peuvent avoir 500 vestes de marque. Qui coûtent des millions et des millions. Ils peuvent avoir toutes sortes de voitures alors qu'ils sont fonctionnaires. Ils ont un salaire. Si on compare leur salaire avec leur train de vie et les biens immobiliers ou les biens tout court qu'ils détiennent avec leur compte bancaire, vous allez vous arracher les cheveux. On dit élection de 2025. Bref, il faut donc battre campagne. Mais avant cela, il faut que les gens s'inscrivent sur la liste électorale pour que. La démocratie se transforme en la dictature de la majorité et non la dictature de la minorité. Pour cela, l'organe qui est contesté, qui gère les élections, mais les gens se sont dit, OK, on va aller, organise donc, les amis, l'inscription sur les listes électorales. Et qu -ce que se passe-t-il C'est timide. Cet organe ne communique pas assez. Et certaines personnes se sont dit, OK, ça concerne tout le monde, c'est pour les Camerounais. Les hommes politiques communiquent. Les communicateurs, hein, les espèces de tout sortes communiquent. Et les enfants sont connectés sur les réseaux sociaux parce que c'est la nouvelle technologie. Et là, aujourd'hui, les amis, ça a plus d'impact que les médias mainstream si d'hier. Les chaînes de télévision et de radio n'ont plus d'impact comme les médias sociaux aujourd'hui. On peut toucher des millions de personnes en clic aujourd'hui par rapport aux radios. Il faut mettre, il faut écouter, il faut... Ou la télévision, il faut être devant la télé pour regarder. Ouais, un peu. C'était on ces anciens réflexes, mais... Ils doivent savoir que le monde évolue, les choses sont en train d'évoluer aussi avec. Les jeunes décident donc de se mobiliser, d'indiquer que elle est camée ici, elle est même là-bas. Allez vous inscrire, allez vous inscrire, allez vous inscrire. Ça commence à poser un problème à certaines personnes. On a vu tout un ministre, un vision dit qu'on on n'a pas à obliger les gens d'aller s'inscrire. Et je peux me tromper, il faut qu'on me prouve le contraire. Je n'ai pas vu où on a arrêté les gens d'aller s'inscrire. On a on a commencé à fouetter les gens d'aller s'inscrire. Dit que les gens doivent aller s'inscrire, fait la promotion de l'inscription, n'a a rien de mauvais. Sinon on devrait pas faire ça public. Sinon, elle ne devrait pas communiquer sur les différents lieux d'inscription sur les listes électorales. Donc les gens amplifient cela. C'est la communication sociale, c'est gratuit et ils font cela. Mais ça énerve certaines personnes parce que j'ai l'impression que certaines personnes ont peur de cette forte mobilisation. Et du coup, ils font tout pour décourager les Camonais de s'inscrire. Ça les pose un énorme problème. La sortie massive des Camonais pour pouvoir l'inscription et autres, ça les pose un problème. Parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. Ils pensent que c'est divin. On les a donnés, il y a un Dieu quelque part qui les a donné ce pouvoir et personne ne doit venir arracher. Mais si personne ne doit venir arracher, transformer le pays à une dynastie, officiellement, ou euh, à un royaume, ou un empire. Facilement, dites ça comme ça, les gens comprennent. Mais quand vous vous cachez derrière les élections, et alors qu'au fond, vous ne voulez pas que les élections se déroulent normalement, ça pose un énorme problème. Et personne n'est dupe aujourd'hui. Tout le monde voit, tout le monde voit, Des jeunes devraient se mobiliser. Pourquoi est-ce qu'ils ne doivent pas se mobiliser pourquoi est-ce qu'on on, on convoque les jeunes uniquement quand c'est des choses qui intéressent, intéressent les girontocrates Ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui, c'est leur train de vie. C'est l'emploi jeune. C'est des problèmes que les jeunes rencontrent. Il y a tellement de problèmes. Depuis 42 ans, les gens ne veulent pas qu'on leur dise voilà, 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 vous avez fait ça, vous n'avez pas fait ça bien. Pourquoi Pourquoi Il y a la liberté de l'expression. On a vu même un sous-préfet qui s'est levé pour. Si vous, dites, si vous dites cela, on va vous interdire de séjourner à Yaoundé. Alors qu'on a des cadres juridiques pour encadrer la communication sociale au Cameroun. Ça existe. La communication sociale est encadrée par les lois. Mais procéder par l'intimidation, est-ce que ça fait partie des, des prérogatives des membres du gouvernement, de l'administration, du pouvoir judiciaire Est-ce que c'est comme ça que certaines personnes appréhendent la gouvernance dans un pays, les amis Junion Gombe, c'est son nom. 23 ans, TikToker. Il a utilisé ces plateformes pour pouvoir encourager les jeunes d'aller s'inscrire. Il y a, a quelqu'un qui est venu m'écrire qu'il non, il a dit d'autres choses et tout, c'est par rapport à ça euh, qu'il est poursuivi et tout. D'accord, je n'ai pas vu tout. Mais j'ai dit, ce que lui dit, ce que les autres disent, ce que ses avocats disent, et autres, je prends ça pour agent comptable. Aujourd'hui, il a été libéré parce que... Les gens aussi se sont mobilisés. Des jeunes se sont mobilisés. La classe politique s'est mobilisée. Tout le monde s'est mobilisé pour sa libération. Est-ce qu'il est vraiment libre aujourd'hui J'apprends par le biais de certaines personnes qu'on a réduit sa liberté de publier les choses. Donc il doit faire très attention à ce qu'il publie. Les amis, je sais que tout le monde n'est pas un homme de médias, journaliste, communicateur et tout. Non, non, je ne tout le monde. Mais il y a beaucoup de personnes qui exercent maintenant le métier de blogueur et autres. Il faut soutiller hein, des, des, des usages de mots et autres, des choses qui sont condamnables, d'accord. Mais seulement, je pense que quand un jeune est en train de se tromper, peut-être avec les mots, ça peut être de bonne foi. On peut, le school, il y a le contrôle, ce qu'on appelle le Conseil national de la communication qui peut convoquer pour lui expliquer voilà 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 oh, gouverne aussi par la pédagogie pas par la répression pas par l'intimidation. Il a été il est libre aujourd'hui mais pas totalement libre, c'est déjà une bonne nouvelle et je l'ai vu euh, avec maître mouna au niveau de la fondation Mouna il était aussi là présent. S'il y a d'autres qui sont en prison qu'on côte les autres les amis, les mêmes avocats devraient aussi mettre la pression essayer de voir cette histoire pour que les jeunes soient libres de dire ce qu'ils pensent le fonctionnement de la société, mais en respectant le cadre juridique. Et ce cadre juridique, ça peut être pas bon, mais il faut aussi changer. Mais on respecte ça et en changeant les choses, les amis. La gouvernance d'intimidation devrait être jetée loin. On devrait gouverner par, je répète, par la pédagogie. C'est ça qu'il est question dans la société. On ne peut pas avancer comme ça avec des gens qui pensent que le pays les appartient. Thank you, friends.